Cette plateforme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site internet qui permet aux citoyens, à vous, de poser des questions à vos élus, des questions publiques, et qui permet aux élus de montrer qu'ils se préoccupent de vos problèmes en répondant à vos questions. Alors, à côté de questionner vos élus, on a sorti une plateforme qui s'appelle Questionnez vos candidats et qui permet donc aux électeurs de poser des questions aux candidats au moment des élections. Comment ça marche? Vous allez sur la plateforme questionnezvoselus.org, vous posez votre question, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, mail, et vous envoyez la question. Nous recevons la question, nous la modérons, on vérifie qu'elle respecte nos règles de modération. Si c'est le cas, nous la publions sur le site. Si ce n'est pas le cas, on vous explique pourquoi on la refuse ou éventuellement on vous propose de la reformuler. Voilà. Et quand on vous en. Si la question est acceptée, à ce moment-là, on vous prévient qu'elle est acceptée et on envoie la question à l'élu. Et quand l'élu répond, on vous prévient que la réponse est en ligne. Voilà, donc rapidement présenter le dispositif et j'en profite pour lancer un petit appel parce que nous allons avoir des rendez-vous importants d'ici quelques temps, les primaires qui vont se préparer, les élections législatives et présidentielles l'année prochaine. Et donc on a besoin d'aide pour nous aider à modérer toutes ces questions qui vont nous parvenir, toutes ces contributions. Donc voilà, nous sommes tout à fait ouverts à vos propositions dans ce sens-là. Si vous avez quelques heures à nous proposer par semaine, ben on est parfaitement preneurs. Voilà, merci.